Bon alors Richard, ce matin j'ai vu une bonne séance là, je pense que ça doit rester dans les jambes. Ouais, une bonne séance, on a fait Team Sprint, donc format des jeux. D'abord une demi-finale où on fait trois tours chacun à plus ou moins vite pour donner le relais à son coéquipier. Et puis 20 minutes après, une finale où on refait pareil. Ouais, donc c'est un enchaînement qui est quand même dur à encaisser. Donc il faut gérer aussi la longueur de la compétition. Ouais, il faut arriver à gérer la longueur, mais en même temps, ça part très vite. On fait 3 minutes d'effort et on a en gros 3 minutes de récup. Et ça, on le fait 3 fois pour la demi et 3 fois pour la finale, donc c'est quand même très intense. Ouais, c'est sûr qu'on a la chance de faire une belle discipline qui, je pense, est assez télévisuelle et en même temps, pour les gens, facile à comprendre. Donc, je pense que ça peut plaire. Team Sprint, c'est super piégeux et on s'est d'ailleurs fait piéger sur la dernière étape. Et en même temps, c'est super physique. Donc c'est pour ça. En plus, en équipe de France, on a vraiment plein de cartes avec plein d'athlètes possibles pour ça. Et... Donc là, tu as enchaîné quelques superbes courses, quelques podiums. Là, ça t'a mis quand même en confiance, je pense. Ouais, cette année, ça s'est bien passé. J'ai passé quelques caps au niveau endurance et du coup, ça m'a permis d'être plus fort en finale et d'atteindre ces podiums. Après, j'ai tourné pas mal de temps autour. Ouais, j'ai vu que tu n'étais pas loin du podium il n'y a pas longtemps, là, quatrième. Donc, j'ai fait 3 finales de suite en sprint skate. D'abord 5, ensuite 6e et là 4. Le podium est pas loin, mais il se refuse encore à moi, mais ça va bientôt arriver, j'espère. Armée de champions. Armée qui gagne.